Il était une fois le manoir de Brigdal. Il y a énormément de bonne humeur, c'est vraiment, c'est esprit vacances. Donc forcément, la bonne humeur est au rendez-vous et on profite, on vit au rythme des vacances, on fait des choses qu'on ne ferait pas dans le quotidien, donc on se promène à la mer, on pique-nique, on prend l'apéritif, on mange ce qu'on a envie de manger, voilà, des choses comme tout à chacun peut faire pendant les vacances. Nous sommes allés voir la mer à Velette-sur-Mer. Nous nous sommes tous promenés sur la promenade en bordure de la mer. Il faisait un soleil radieux et la mer était bleue, turquoise, avec des vagues provoquées par le vent qui soulevaient de belles écumes blanches. Moi, Patrick, j'ai pris une bière 1664 et une délicieuse glace à la pistache, cassis et à la mangue, avec de la crème chantilly. Je me suis régalé. Les résidents sont associés à ce projet, à la préparation du séjour, et sont les acteurs principaux avec les salariés qui les accompagnent durant le séjour. On a plus de temps. Ouais, on a plus de temps, on est plus proche. Et on les voit différemment. Exactement. Et ils nous voient différemment. Et ouais. Aussi. Ils réagissent différemment. Et je trouve que c'est aussi bien aussi... qu'ils ont pu se mélanger les résidents, parce qu'il y a deux maisons de retraite, là, la résidence de Sapin, plus la résidence de Sainte-Anne. Du coup, les résidents ils se sont rencontrés entre eux, c'est agréable. Voilà, c'était ça l'idée, c'était de faire rejoindre deux établissements, de créer un projet commun et de pouvoir justement profiter du fait qu'on appartient à une fondation et de pouvoir créer des projets communs entre établissements. On est passionnés et en fin de compte, oui, on est fatigués, ça, j'avoue, mais on est tellement contents de les voir. Voilà, puis ils sont heureux, là. Heureux, et puis là, on trouve que ça passe très vite, au final. On au début... Tôt. On rentre demain, on va pleurer comme eux. Comment ça se passe, ce séjour? Ah bah très bien. Ça vous plaît? Ah bah oui. Ça fait du bien. Hein. Je comprends. Ah oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce séjour? L'ambiance... la décontraction, on voyage. Le bénéfice qu'on retire au fil de l'année de quelque chose comme ça, c'est vraiment les souvenirs déjà que peuvent ramener avec eux les résidents. Les résidents se remplissent de tout ça, de tout ce qu'ils vivent pendant le séjour. Ils gardent beaucoup de souvenirs. Ça permet aussi de pouvoir en échanger avec d'autres, de pouvoir créer des liens aussi avec les salariés qui les ont accompagnés, d'en discuter, d'évoquer certaines choses. On essaye aussi de créer un support photo pour le retour. Et ça permet de s'y référer tout au long de l'année, quand le résident a envie de se replonger en fait, dans le séjour qui a été organisé, auquel ils ont pu participer. Ça nous a bien réjouis à nous tous. Après avoir bien plaisanté les riz, la joyeuse équipe, nous sommes rentrés au manoir heureux. Merci.